Donc hier matin, je me levé matin dans tout. Et puis m'a prié bon Dieu. Et puis moi dit bon Dieu. Moi c'était hier là en janvier, tout bas était normal dans le pays. Ouais. Même dit normal la vie pas te gain stress en plus ça que le gain là jodi à qui c'est question coronavirus de bail comme ça. Également à travers le monde parce que des pays comme si qui mon nous a vivre très bien. Et puis on gagne maintenant entendre que coronavirus et puis tout bagage changé. Façon vivre. Les temps ne sont plus les mêmes. Tant nous sommes là, les papes j'aime tant que nous déconner avant, madame, monsieur. Eh bien, c'est même gens. Je suis très inquiet en tant que citoyen haïtien. La présence du BINU m'inquiète déjà. Parce que Haïti, ça a longtemps que c'est pas. Mission politique qui vient dans le pays des Nations Unies. Et même si on a des Haïtiens qui croisent les bras pour question du coronavirus, eh bien, tout Haïtien croise les bras sur question BINU, comme si mission politique qu'il a. Moi, inquiet parce que je me regarde la situation du pays à Kounyaman, monsieur. Non, j'ai payé à TIA avant question du corona. Pour Jean, lié jodi a pour ça nous gain là comme problème pour ça moi cap vinn là madame monsieur moi très inquiet oui parce que nous connaît que chaque jour ma présence musique que nous même nous te fait ici dans matin débat nous cap perdre pays là je vais vous l'expliquer pour comprendre hier c'est ici nous te fait analyse et depuis mardi la fin analyse là même qui t'es allé parler après ça, pour nous tourner avec quelques détails et avec commentaires analyses en plus de et ça, comment nous y est? Bien, bonjour à tous les auditeurs et auditrices de Radio Télé-Éclair. Bonjour à tous les auditeurs Matéli Bayo. Bonjour à chaque ami auditeur. Et bonjour, Loco Désir. Bonjour, Thomas Tratouta, José Lexidor, Rolando. À tous les amis, staff Matéli Bayo. Eh bien, nous là, tchom, koudiam, n'a pas travaillé, n'a pas goûté, n'a pas réfléchi. Et quand même, Loco Désir. Et je vous dis là, nous sommes du pays. Et nous sommes tous du pays par rapport avec toutes les risques qui ont pris village de la. Mais c'était pas visible par rapport avec nous-mêmes, toutes prédictions que nous avons. Et nous-mêmes, nous toujours prenons devant. Nous toujours prenons devant par rapport avec toutes ces qui ont fait. Nous-mêmes, dans la vie de bas, nous toujours dit, mais ça qui a fait et après, deux jours et deux semaines là, le moment côté où nous avons des autorités la CAO, et après, attaque de faire sur. Mais nous avons dit que, par le biais des arrestations en cascade, nous avons dit que M. 609 au Préal soit dans la rue, ouais. Et le fait qu'il a arrivé, tout le monde constate ça qu'a fait à rue aujourd'hui. Nous avons dit que M. 609 est déterminé, M. Fantôme 609. Alors, Nico? Alors, M. 609 est déterminé. Selon les informations bien coordonnées, selon les informations de bonnes sources qui m'ont parlé là, Monsieur Fantôme 609, qui est là dans divers policiers actifs de toute promotion confondue, en dans Fantôme 609, il est déterminé pour que il fasse une autre bagarre de pays par rapport avec ce qui a passé dans le diable. Selon information de bonne source, Monsieur Yo déterminé, et le jour qu'il vient là, selon ça, yo dit entre eux, si pas gagné une décision, qui prend pour capable de faire ça, yo même, yo t'as souhaité que fait, même là, et dans la mêlée, c'est pas ça, en plus observateur, en plus mon avisé, pas d'arrêt, mais c'est ça qui peut arriver, mais selon information de bonne source, Monsieur Yo, à parler là, pour faire des attaques ciblées sous des ministres du gouvernement, sous juges de paix, sous commissaires du gouvernement, sous ministres en le gouvernement, et même attaquer, et même arriver à attaquer Cortège président. Ah bon? Ça dit non. Donc, monsieur Paré, il paraît puis il a même attaqué Cortège président. Il dit que eux-mêmes, ils sont mon, qui déjà mouillés, selon information de bonnes sources que m'a parlé avant la journée de Diala, selon. Et Sam Abdoulala, il y a des informations qui sortent à travers les réseaux sociaux. C'est vérité, c'est pas fait, c'est des policiers qui ont un fantôme 609 là. Bien. Et que
moun ki policier, même si nous sommes avec eux tout, qui identifie la voix policier ça. Je ne veux pas là, je fais connaître que le même, par rapport avec sa catastrophe, par agir comme ça, il a privé sur tout, et par rapport à ça tout, nous-mêmes, je vais agir en conséquence de la blague prison. Très bien. L'air de la blague prison, c'est pas seulement l'impôt international. Nous entendons attaquer et on dit prison quoi des bouquets. Quoi des bouquets? Ok. Quoi des bouquets? Et je dis à la parole là, ça que c'est pas arrivé à attaquer prison Kafoua, c'est parce que vos négociations qui fait. Ok? Ok. Vos négociations qui fait. Ambassade, qui fait que monsieur pas attaqué prison Kafoua. Oui, matin, il était Kafou, matin. Matin, il était en révolution, il était frappé, il était frappé fort, il saisit que les machines dans le même monde. Ok? Et ils entendent aller jusqu'au bout de la religion au diala. Et ça, il y a diala. Est-ce qu'on appelle comme pression? Mais l'essentiel, c'est que je me dis là, les autorités du pays, ils doivent prendre ça au sérieux et ils doivent comprendre que je me dis là, diriger un pays, ce n'est pas diriger nous, Chomkaï. Diriger un pays, c'est prévoir. Diriger, c'est prévoir. Donc, à ce niveau, il faut que nous mettions une dimension homme d'État pour poser une question. Parce que tout ça que nous là, est-ce qu'on est capable de quitter le pays à cause ça? Est-ce qu'on est capable de quitter des belles diables des problèmes? Et des gens qui disent ces policiers avec uniforme sur eux. Et eux-mêmes, ils disent que nous devons aller jusqu'au bout, mais tout ça à faire. Et que la société elle-même n'a pas accepté. Et de fait, personne n'a accepté des ordres. Personne n'a campé pour applaudir les ordres. Mais, de façon pour ça fait. Maintenant, c'est l'autorité, selon eux-mêmes, toutes les informations que nous gagnons, coordonner ensemble, mais essayer de ramasser les informations, parce que nous avons des informations à plaquer. Et ça, il y a plus de monde qui dit que, et qui est-ce que ça est, parce qu'il y a toutes les informations. Oui, nous avons des informations à plaquer. Et l'information dans la loco, c'est que, c'est le régime, monsieur, en train d'aller jusqu'au bout, le régime, c'est moi déjà, et ça, c'est le fantôme, c'est que là, il est allé jusqu'au bout, il a fait des attaques ciblées, il a été attaqué au local ministère. Je ne veux pas là, je dois attaquer des attaques, je vois des attaques physiques sous des personnages en dehors, gouvernement, au niveau de la justice, puisque c'est la justice, c'est la police qui a arrêté pour la justice. Donc à ce niveau, il y a créé dans le moment de la parole là, qui l'a eu pour présenter policier, devant parquet, pour présenter des policiers au parquet, et qui va le prendre. Non mais, policier, ok, qui va le mener, policier Alexandre Pascal. Devant parquet, pour aller devant le juge naturel, pour aller pour question. Qui donc, ordre va venir de parquet, selon l'information que nous gagnons, mais policier 609, il n'y a pas eu, le moment n'a pas la voilà là, pour y aller prendre le policier Pascal Alexandre, notre organisation nationale. D'accord, merci pour les aïeux. Donc, l'autre information que nous connaissons, la manifestation annoncée par l'opposition politique, du très mal vu par certains. Certains observateurs du pays et le même niveau opposition en tout, des trois hommes d'opposition politique là qui pas dans ses collés avec manifestation, qui va pas coller avec manifestation que monsieur opposition annoncé par rapport avec épidémie et coronavirus lui-même, nous connaissons qu'à protéger le pays. C'est donc gagner information qui vient de moi. Qui t'a même dit que Moïse Jean-Charles, le leader de Petite Dessalines, lit pas dans ses collés avec position ça qui est annoncé sous base que manifestation d'ici lundi Capilla dans le cadre et commémoration bicolore haïtien le drapeau bleu et rouge. D'accord, merci Bill et Isaïe, pour votre établissement, merci Bill. D'accord, ok, bon, ok. Mais ça nous t'a parlé hier dans l'émission Matin Débat. Et on remarque que nous, c'est la première émission qui t'a abordé la question d'arrestation. Alexandre Jean-Pascal nous a dit que qui s'est pas dit dans le cas d'arrestation. Et tout de suite après l'émission hier là, Fantôme 609 sorti dans la rue. Et nous avons dit dans l'émission Matin Débat depuis mardi jusqu'à hier. Si le gouvernement pensait que il a seulement traité de monsieur 509 de terroriste et que monsieur 509 pour le rentrer au bercail, eh bien c'est bien compté, mal calculé. Donc, Fantôme 509 pour le goumer, il faut que pareil pour bataille ça.
nous te dit en conclusion que ça fait carré tirer dans le pays et moun fait carré mourir par balle pratiquement dans le pays. Et ça nous dit. Et de fait, depuis hier, après l'arrestation donc, de Jean-Pascal Alexandre, eh bien, autant de déclarations Yannick. Et je dis à tous, ça qui me passe. SPNH là, il faut que nous sommes fait seul. Bien que. Ok. Bien que, moi-même, dans la tête, pam, c'était toujours même social qu'on était toujours lié. Et dit, je dis à la barre, pas de. Eh bien, je dis à la, justement, au guérison. Et que SPNH là, avec Phantom Section 9, sont seuls bagarres là. En entendant donc Yannick et Joseph, donc de SPNH, et puis également de Phantom Section 9. Moi-même, moi, ouais, nous avons parlé de match. Moi-même, on seul bagarre, moi, ouais, là, pour le moment là. Nous baillons, ministre de Justice, ça, en ultimatum de 6 heures de temps. 6 heures de temps. Ni pas la gué Pascal. N'a viré le Jean-Vléa. Jean-Vléa n'a viré le. Parce que Pascal, il n'y a pas de chef d'accusation pour lui pendant 48 heures de temps. Ça veut dire qu'il y a cherché un bagage pour le mettre sous lui. Donc nous-mêmes, s'il le faut pour pénitence écraser plate, pour tout bandit dehors, si c'est ça, il veut, comme moi, je connais que pénitence écraser plate là, dans l'avantage. Ok, il y a un avantage parce que c'est ça le besoin même. Il n'y a pas de comment il y a la pénitentiaire. Quand il y a le besoin, c'est la police qui peut la guerre pour eux. Si vous nous entrez dans la pénitentiaire, vous n'avez pas Pascal, nous ne pouvons pas le prendre nous-mêmes. Vous comprenez? Moi-même, pour moi-même là, son ultimatum pour nous bailler, monsieur, de 6 heures de temps. Ni pas la guerre Pascal dans la prison, eh bien, nous c'est gloire, nous prenons femme vase là. C'est ça que vous faites. En tout cas, hier, nous avons des questions. Ça, c'est la position du SPNH, également du Phantom 609. Et n'est-ce pas fait bac. Ok? Pabli, il me dit que Phantom 609, dans la position que est là, dans le moment, là, les policiers de Phantom 609, également du SPNH, dans la position qui est là, ils ont de gros alliés avec eux. Et ça fait moi dire que je suis inquiet. Madame, monsieur, n'importe qui bagaille qui a passé là avec question Phantom 609 là. D'ailleurs, ouais que Esaïe confirme il y a de cela quelques minutes à cette émission. Rappelez que Esaïe sont anciens policiers. Ok? Donc Esaïe pratique pendant mi-temps. Ok?